Mise à jour iOS, mise à jour iOS 17.0.2. Alors Apple vient de sortir hier soir une toute nouvelle version iOS 17.0.2. Alors qu'est-ce que cette mise à jour va corriger ? Dans cette vidéo, je vais te parler de cette mise à jour. Surtout si tu aimes ce genre de vidéo, si tu aimes les mises à jour iOS, je t'en parle, je te tiens au courant à chaque fois qu'une mise à jour apparaît sous iOS. Alors abonne-toi et c'est parti, je t'explique pourquoi mettre à jour ton iPhone. Alors pourquoi tu vois deux iPhones sur cet écran? Tout simplement, il y a un gros problème avec iOS 17.0.1. Il y a eu de gros problèmes avec iOS 17. Apple sort immédiatement, disponible pour tous, iOS 17.0.2. Attention, petite subtilité, si tu te rends donc dans Réglages général et mise à jour, il y a une chose que tu dois savoir absolument, c'est que tu dois décocher si tu as en fait cocher la version iOS bêta public ou bêta développeur, il faut que tu rentres à l'intérieur et que tu mettes non. Pourquoi ? Car comme cela, tu vas pouvoir bénéficier de la toute dernière version iOS 17.0.2. Donc la version officielle, ça va t'enlever la version bêta et tu vas être tranquille, tu auras une version vraiment officielle. Alors comme tu peux voir, cette version pèse un peu plus de 380 mégas, donc elle n'est pas très très lourde. Et regarde en fait, qu'est-ce que corrige cette version? Cette mise à jour résout un problème pouvant empêcher le transfert de données directement depuis un autre iPhone lors de la configuration. Problème de transfert, problème de batterie, problème d'haut-parleur, iOS 17 a engendré pas mal de problèmes sur nos iPhones. Alors cette version iOS 17.0.2 corrige le problème de transfert de données d'iPhone à iPhone, mais pas que, il y a quand même quelques petits bugs qui ont été corrigés derrière. Donc si tu aimes ce genre de vidéo, je te présente tout le temps en avant-première les versions qui sortent sous iOS bêta ou les versions officielles iOS sur ton iPhone. N'hésite pas à t'abonner, partager cette vidéo, mets-la en favori, ça m'encourage, ça encourage la chaîne et on se dit à très vite pour de prochaines astuces sur ton iPhone. Salut à tous et surtout prenez soin de vous. Ciao.